Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter non pas un livre, mais un film que j'ai aimé visionner. C'est celui-ci. Ce film s'appelle Debout, avec pour sous-titre Tomber est humain, se relever est divin, et il est réalisé par Stéphane Haskell. Alors Stéphane Haskell, c'est un documentariste qui a une quarantaine d'années, et un jour il tombe gravement malade, il subit de lourdes opérations et finit quasiment handicapé, donc ne pouvant plus se tenir debout. Et il passe de longues années très compliquées, très douloureuses. Et un jour, la médecine n'est pas vraiment de grande utilité, en tout cas dans la maîtrise de sa douleur. Un jour, une amie lui dit, écoute, tu devrais aller faire un petit peu de yoga, peut-être que ça t'aiderait. Alors lui, le yoga, ça faisait plus que deux. C'était vraiment pas quelque chose qui l'intéressait. Il ne voyait pas vraiment comment ça pourrait l'aider, en tout cas. Mais il décide quand même d'y aller. Et il va pratiquer pendant plusieurs années le yoga. Qui pratique encore, il va découvrir que ça va lui permettre de, eh bien en tout cas d'atténuer ses douleurs, ça va lui permettre de voir sa vie autrement, et il va se rendre compte que le yoga est avant tout l'écoute de son esprit et de son corps. Alors là, il nous propose en fait ici un voyage à travers le monde. Il va traverser les océans, il va rencontrer les personnes pratiquantes. Dans des endroits vraiment différents. Il va commencer d'ailleurs par les prisons africaines. Il va aussi aller dans les couloirs de la mort de San Francisco, là où on pratique donc le yoga. Il va encore aller en Afrique chez les guerriers Maasai, ou bien sûr aussi en Inde ou en Europe. Il va donc rencontrer, interviewer toutes ces personnes pratiquant le yoga, qui expliquent toutes que pour eux, ça a vraiment été cette pratique quotidienne, un changement dans leur esprit et dans leur corps, et c'était vraiment une véritable philosophie de vie. Je vous conseille vraiment ce documentaire. Si d'abord vous êtes pratiquant du yoga, vous allez voir que ça va vous intéresser, et aussi pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre vraiment l'intérêt de cette pratique, je vous conseille fortement. Voilà, un très bon moment en tout cas. Un très bon moment lors de ce documentaire. Voilà, à bientôt!